Do you want to know? Bonjour, bienvenue sur la chaîne des créas de Step. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul action que je suis allée mardi hier, on était le 22 et là on est le mercredi 23 octobre. Voilà tout ça. Voilà, j'ai chauffé ma carte bleue en plus. Hein, j'ai fait le haul nose. J'espère que vous l'avez regardé. J'ai chauffé la carte bleue aussi chez Nose. Alors, mon ticket, tiens, je ne sais plus où je l'ai mis. Je sais plus. Bon, je sais plus où je l'ai mis. Je suis en train de le chercher, mais... Bon, si je le retrouve, je vous mettrai les prix... comme d'habitude, par là ou par là, je sais plus. Voilà. Bon, j'ai trouvé des pelotes de laine. Voilà. Ceux-là pour un projet. Ouais, ils sont grosses. Hein. Je sais, c'est des grosses pelotes de laine. Voilà, en plus, elles brillent. Voilà, ça fait brillant. C'est une grosse pelote. Et on croche avec un crochet de 10. Mais moi, j'ai pas de crochet de 10. Je vais crocher en 8. Bon, ça sera un peu serré. Mais c'est faisable. Voilà. Deux comme ça. Je crois que ça va aller 4 euros. Mais je sais plus. Ben, je vous mettrai les prix. Voilà. Si je trouve pas mon ticket de caisse, j'ai l'application. Voilà, il y a les prix. J'ai trouvé une pelote. Voilà. Fourrue, il y en a été un. S'il y avait un deuxième multicolore, mais il était à moitié, il n'y avait plus le papier, c'était voilà. Voilà, en plus, c'est doux. Voilà, faux fourrue. Et on croche une aiguille crochet 10 à 12. Mais je pense pas c'est pour 12. Hein. Moi, vraiment, un crochet de 12. C'est bizarre. Voilà. Et j'ai pris celui-là, une pelote comme ça, mais c'était pas la bonne couleur parce que je suis en train de faire quelque chose pour moi. Voilà. Voilà. C'est pas la bonne couleur, mais bon, ça va. C'est pas, il n'y a pas trop de différence entre deux, mais je pense que je vais pas l'utiliser. Je crois que j'en aurai assez pour faire mon projet. Ça sera pour autre chose. Je sais pas. Verrai bien. Voilà pour les pelotes de laine. Bon, j'avais besoin d'un support pour les revues. Pour mes revues de crochet. Parce que je mets dans mon nouveau placard là. Il fait bibliothèque. C'est bibliothèque Billy. Qu'on peut mettre des portes. Voilà, c'est un petit bibliothèque Billy. Qui vient de Ikea. Voilà, je mets la partie de ma laine et une partie du scrap. Voilà, je mets tout là-dedans. Et j'avais besoin de ça pour mettre mes revues de crochet parce que dans le paquet, ça tombe, ça abîme. Voilà. Bon, voilà, il me fallait ça. Ensuite, j'ai trouvé une bougie choupa chou, voilà, on en avait d'autres parfums, mais il ne me plaisait pas celui-là, chéri, à la cerise, ça sent super bon. Il y avait une grosse, comme ça, il n'y avait pas le capuchon, peut-être en général, il n'y avait pas de capuchon, je ne sais pas. Je n'en vais pas prendre, je vais essayer une petite, si ça sent bon, la prochaine fois, je prendrai une grosse. Voilà, en ce moment, j'adore que ça parfume dans la maison. Voilà, choupa chou. Voilà, j'ai pris un senteur pour le linge. Voilà, bon, je l'ai commencé à l'entamer parce que ce matin, j'ai fait deux lessives. Un pour les manteaux et un pour les couettes parce que j'ai une nouvelle machine. Voilà, parce que l'autre, l'ancienne, elle a claqué. Ça fait 16 ans que je l'avais. Il faisait 5 kilos de capacité. Il commençait à me saouler parce que je pouvais pas mettre de quoi ce soit. Celui-là, il est mieux. Ma nouvelle machine à laver, mon lave-linge, il fait séchant en même temps.
Voilà, pour les couettes pendant l'hiver, je pourrais chécher. Mais pas mes couettes, mais oui, mes couettes, mais bon, mes couettes, je fais une fois par an. Mes draps, mes housses de couettes, tout ça. Voilà, comme ça, pendant l'hiver, la machine, elle chèche en même temps. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Pas la peine, étant les draps partout dans l'appartement, c'est bazar. L'été, ça va, j'ai un grand balcon, je peux étendre les draps sur un fil. Ça va, mais c'est plutôt pour l'hiver. Moi, bon, je vais m'en servir que pour les draps. Pour les vêtements, non, j'aime pas trop chercher comme ça. J'ai peur qu'il arrive un pépin sur les vêtements par les autres personnes qui vivent avec moi. Ils vont me tuer. Voilà, bon, j'arrête de parler de mon lave-linge. Voilà, j'ai pris ceci parce que je suis la chaîne de Rose Bonbon Coco. Elle disait au début, ça sentait pas trop. Mais en vacances, ah, ça sent super bien et tout. Et tout, et tout, et tout. Et j'ai testé, c'est vrai, ça sent super bon. J'ai mis deux bouchons. Il dit un seul bouchon pour une machine de 5 kilos. Mais moi, j'ai mis deux. Ma machine a fait 8 kilos. Je mets deux comme ça va sentir encore plus sur le linge. Voilà. Et celui-là, j'ai pris le parfum exotique. Il sent super bon. Voilà. Merci, Rose Bonbon Coco, pour nous faire découvrir ce fameux produit. J'ai testé, c'est approuvé. Voilà. Ensuite, j'ai pris des gâteaux Lotus Pisco. Voilà. Au Pékulos, il y a du chocolat. C'est trop bon. Mouah! Pour manger avec le café. Impeccable. Ça, c'est trop bon. Vu, hein, c'est des sachets individuels. Il en a 7. Voilà. Puis c'est tout. Maintenant, on va. Les trucs de Noël, ça fait un mois. Un mois. Un mois, je cours après ça. Après ça. Quand j'allais à mon Action, à côté de chez moi, j'ai un tour pas loin. J'en ai pour 10 minutes en bus à côté de chez moi. Bon, je ne vous dis pas la vie parce que tout le monde va venir chez moi. Tous les 15 jours, j'allais à mon Action. J'allais. Il n'y avait pas. Ils n'ont pas encore mis les décorations de Noël, quoi que ce soit. 15 jours plus tard, j'y vais. Il n'y en avait pas. S'il en avait, mais pas ce que je voulais. Il commençait. Il en avait dans les cartons ce jour-là. Ah, j'ai fait la déprime. Oh. Et 15 jours après. Attends, je dis. Oui, ça fait. Non. 15 jours après. Oui, 15 jours. C'est pendant du 15 jours là. Je vais celui-là de Brétigny-sur-Orge. Et j'ai trouvé, devine quoi, ça, oups, ça, les Amigonomies Noël, voilà, j'ai le Père Noël, j'ai le Renne, j'ai tout pris, hein. J'étais comme une folle à Noz, pas à Noz à Action, parce que j'étais à Noz aussi, le bonhomme de neige, et le pain d'épices, voilà. Tout ça à faire. J'espère que j'aurai le temps de le faire parce que j'ai plein d'autres projets. J'avais fait un petit pain d'épices dans un modèle sur Pinterest. Voilà, j'ai suivi là. Bon, c'était mon tout premier. Hein. Bon, il n'est pas parfait, parfait. Mais il est mignon quand même. Voilà. Il est trop chouchou. Le petit chapeau. Voilà. Voilà, j'aime bien faire des petits trucs comme ça. Voilà, et j'ai vu ceci, le petit manège Noël qui fait de la musique. J'ai l'autre là, le carrousel là. Là, oups, là, et l'autre là qui fait l'horloge. Et j'ai un autre à faire à l'antenne, mais je ne l'ai pas encore fait. Il est encore dans le carton. Ça fait 3 mois, 4 mois, je l'ai, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, celui-là, oui, je vais le faire. Obligé, il fait de la musique. J'espère qu'il fait de la musique de Noël. Voilà. Mais c'était pas prévu, ça. C'était pas prévu dans ma liste Wish. Et je l'ai pris quand même. Il y avait d'autres trucs. La maison de Noël, tout ça. Oh non, il y a trop de trucs à faire. Déjà, je dois faire le camion. J'ai commencé cet été. Et je l'ai laissé de côté. J'ai dit, oh, ça me saoule. Bon, peut-être un jour je finirai. Je sais pas quand.
Ouais, c'est tout moi ça. Je commence un truc, quand un truc qui me saoule, je laisse de côté, ça m'énerve. Voilà, et j'ai pris le petit lutin face. Il y avait le garçon et la fille. Moi, j'ai pris la fille parce qu'il a le petit tutu. Voilà, le petit lutin face va faire des bêtises pendant la période de Noël. Non, je vais laisser au sous le sapin. Voilà, je vais laisser. Il va être sage celui-là, je pense. Je l'espère. Hein, tu vas être sage, hein? J'espère, hein? Fais pas de bêtises, on verra bien. Voilà, bon, je fais un peu la gamine. Désolée. Et j'ai pris un pull de Noël parce que j'adore mais les pulls de Noël en période des fêtes de Noël. Voilà, à partir du 1er décembre, je vais être sûre que je mettrai mes pulls de Noël. J'en ai un qui fait de la lumière. J'ai celui-là de Mickey. Non, c'est mini. Oui, c'est mini, pull mini que j'avais acheté à. Je sais plus le magasin de vêtements. Bon, bref. Gémeaux, voilà, magasin Gémeaux, non, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ça fait au moins 4 ans. Bon, celui-là, et un autre chez Lidl. Bon, il fait pull robe, mais pour moi, il est trop court pour faire une robe, c'est plutôt un long pull. Ouais, ça me fait 4 pulls de Noël, voilà, celui-là, il est trop beau avec le Père Noël et la reine. Voilà pour Action. Ma poisson, j'en avais quand même pas mal. Hein. Je crois que j'en avais pour 60 euros. Ouais, 60 euros. Bon, bah voilà. Il n'y a plus qu'à crocher les petits personnages de Noël. Voilà. Manger mes petits gâteaux. Mets un petit brin de parfum. Et voilà. Je vous dis à très vite. Et à la prochaine pour d'autres hauls. Action, bisous, bisous! Do you want to know?